Consommer responsable, c'est possible. Chaque produit que tu consommes a un impact sur l'environnement. Être un consommateur responsable, c'est choisir ses biens en fonction de leur coût et de leur impact sur l'environnement. Mieux choisir ses produits alimentaires. Avant d'acheter tes produits alimentaires, pose-toi les bonnes questions. Vais-je privilégier les fruits et les légumes de saison ? Vais-je consommer local ou bio ? Par exemple, une tomate bio et de saison, c'est 10 fois moins d'énergie dépensée qu'une tomate sous serre chauffée. Tu peux aussi modérer ta consommation de viande, de charcuterie ou de pâtisserie industrielle à fort impact sur l'environnement. Mieux sélectionner ses produits électroniques. Avant d'acheter un nouvel ordinateur portable, demande-toi si tu en as besoin. Est-ce que je peux réparer l'ancien ? Est-ce que je ne préfère pas l'occasion au neuf ? Pourquoi pas choisir un label qui garantit un impact limité sur l'environnement ? Un ordinateur portable neuf, c'est 600 kg de matière première pour le fabriquer. Pour ton ancien matériel informatique, essaie de lui donner une deuxième vie. Sinon, surtout ne le jette pas à la poubelle, mais dans une déchetterie. Mieux acheter ses vêtements. Acheter des vêtements, c'est sympa. Mais cela dégrade aussi la planète. Chaque année, 1,7 milliard de tonnes de CO2 est rejetée dans l'atmosphère par l'industrie du textile. Pour être plus écolo et économe, tu peux acheter en seconde main sur des sites spécialisés, des vide-greniers ou dans des friperies. Tu peux aussi réutiliser, réparer ou transformer les vêtements que tu as déjà dans ton placard avant d'en racheter. Ce qu'il faut retenir, la consommation responsable, c'est réduire son impact écologique sur la planète, tout en essayant de faire des économies.